Amis abonnés, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous sommes dans les plantations de choux et je vais vous montrer comment vous pouvez faire pour passer d'une tête de choux, je dis bien d'une tête de choux, à plus de 3 têtes de choux en moins de 3 mois. Il peut vous arriver de lancer votre plantation de choux et que après quelques temps, vous vous rendez compte que les plantations sont vides et vous voulez faire la multiplication. Peut-être vous avez 1000 plants de choux dans les plantations qui sont très espacées. Vous voulez passer de 1000 plants comme ceci à 3000 plants. Comment vous faites? Allez, suivez-nous dans les plantations et on va vous expliquer tout cela. À très bientôt. Là, je vais sélectionner un chou, une tête de chou comme celle-ci. Je prends ceci et je vais éliminer complètement la partie centrale, comme vous voyez là. Je vais casser. Voilà comment ça se passe. Je casse la partie centrale, comme vous voyez. Eh bien, je reviendrai après quelques semaines pour vous montrer ce que ce chou est devenu. Moi, je ne peux pas casser toutes les têtes parce que vous voyez comment les densités sont très élevées, les champs sont touffus. Donc, si je casse toutes les têtes comme ceci là, pratiquement, on va même pas circuler. Donc, je casse juste cette tête et 2 semaines après, vous allez voir ce que ça devient. 2 semaines et demie plus tard, vous pouvez voir comment notre chou s'est développé. Ici là, on a une tête qui se forme. Ici à côté, sur le même pied, on a la deuxième tête qui se forme. Et ici, on a la troisième qui se forme là. Donc voilà comment vous faites pour multiplier votre rendement. Donc je précise quand même que lorsque vous coupez la tête centrale, il convient maintenant de bien engraisser votre plantation. Parce que plus le pied a beaucoup de têtes, c'est-à-dire que plus le pied a plus de têtes à nourrir, ça veut dire qu'il aura aussi besoin de la matière organique dans le sol pour pouvoir nourrir cette tête. Donc une fois que vous avez coupé, tenez à bien engraisser, de préférence 2 ou même 3 fois plus. Et bien évidemment c'est ça, parce que plus, comme j'ai dit, la chou a plus de tête, il faut aussi nourrir cela convenablement. C'est la fin de cette autre vidéo, en espérant qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partagez aussi la vidéo sur votre page et sur d'autres plateformes possibles. Et ensuite, abonnez-vous maintenant pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur Tammy Jardin sur Facebook, Tammy Jardin TV sur YouTube, les 2 grandes plateformes des passionnés d'agriculture, d'apiculture et d'élevage. On se retrouve le 26 et le 27 de ce mois. Ici même à Tchang, pour la formation des apiculteurs professionnels. À très bientôt. Bye bye.